Lucien. Lucien, ça va? Il y a un monstre. T'as fait un cauchemar. Regarde. Y'a rien. Il a mangé Thiago! Thiago. Thiago, si c'est une blague, c'est pas drôle. On peut pas dormir tranquille ici. Non mais c'est Liu qui fait le bébé. Mais ça va maintenant, hein, Barry? J'ai quand même peur du monstre. Ça n'existe pas, les monstres. C'est dans les histoires et les films. Ah mais ça vous dirait une histoire? Bah maintenant qu'on est déjà réveillé. Le cauchemar de Gaëtan Quichon. Non, non, mais non. Bah, non. Pourquoi? Bah, parce qu'il me fait peur. C'est vrai qu'il est flippant. Mais t'inquiète, ça finit bien. Mais comment tu le sais? C'est un livre pour enfants. Ça finit toujours bien, les livres pour enfants. Bon, Lulu, je te promets sur la tête de Thiago, tu dormiras mieux après. D'accord. Non, mais ça va bien me parier sur ma tête. Bah oui, c'est drôle. Le cauchemar de Gaëtan Quichon. Une nuit, un affreux cauchemar entra dans la chambre où dormait Gaëtan Quichon. Arrête, on sait que c'est toi. Bah, j'ai rien fait. Il voulait avaler Gaëtan Quichon. Gaëtan Quichon eut affreusement peur. Il bondit hors de son lit et se mit à courir. L'affreux cauchemar courut à sa poursuite. Alors Gaëtan Quichon eut encore plus peur et se mit à courir encore plus vite. Et l'affreux cauchemar, lui aussi, se mit à courir encore plus vite. Et Gaëtan eut encore plus peur. D'autant que l'affreux cauchemar, à force de courir encore plus vite, se rapprochait de plus en plus. Il veut m'avaler. Et il eut encore plus très très affreusement peur. L'affreux cauchemar l'avala. Non! Non mais c'est pas possible! Mais attendez, c'est pas fini! Personne n'a envie de perdre notre Thiago national! Mais c'est la cabane. C'est le bois qui craque. C'est normal. J'ai envie de savoir ce qui lui arrive à Gaëtan. On peut continuer? T'as raison, continuons. Maintenant que Gaëtan Quichon était dans l'estomac de l'affreux cauchemar, l'affreux cauchemar ne pouvait plus avaler Gaëtan Quichon. Alors Gaëtan Quichon eut un tout petit peu moins peur. Il réfléchit. Si je ressors par devant, l'affreux cauchemar va me voir et me poursuivre. Il vaut mieux que je passe par derrière. Et ainsi, Gaëtan Quichon ressortit par le derrière du cauchemar. Non! Et retourna se coucher dans son petit lit douillet. Waouh, c'est poire. Alors, qui c'est qui avait raison? Trop forte. Et Thiago est rassuré en plus. Ah!
c'est juste un bout de crayon. Lulu, non, n'y va pas. Lulu, c'est juste un bout de crayon. Tu nous entends? Lulu, il y a peut-être vraiment boum. Ouais. Moi pareil. Je faisais semblant. Tout le monde sait que les monstres n'existent pas. Ouais, c'était juste le pot de crayon. Vous avez bien vu quand même. Vous auriez vu vos têtes. Moi j'ai eu peur. Bien joué, Lulu. Bon, on peut arrêter de faire les bébés et dormir maintenant. J'ai sommeil, moi.